Charbonnin, co-organisateur du Salon d'énergie 5e édition cette année à Momigny. Une première soirée ce mardi 29 septembre avec un débat sur la mobilité. On l'a vu, beaucoup de participants et une intervention assez importante des habitants de l'entité par rapport à cette problématique de la mobilité. Oui, tout à fait. Donc, comme vous le dites, 5e édition de ce Salon d'énergie. C'était une gageure d'organiser un Salon d'énergie à Momigny. Au début, on criait un peu au fou. Et puis, ben voilà, on est content. C'est la 5e édition. Et un des facteurs qui nous pousse à continuer, c'est que certains films qui étaient là à la première sont toujours là à la 5e. Donc, c'est quelque part, à mon avis, que commercialement, elles s'y retrouvent. Donc, que ce salon a un sens. Alors, on a voulu, pour le différencier, illustrer chaque salon par une thématique différente. On a travaillé sur l'énergie grise. On a travaillé sur l'eau la précédente fois. Et ici, la thématique développée, c'est la mobilité qui était développée aujourd'hui par cette conférence avec différents intervenants et qui sera présente au salon puisqu'il y aura des démonstrations de voitures électriques, de voitures hybrides. Peugeot, Prumont de Pêche sera là et Van der Heyden Mitsubishi. Et il y aura des vélos électriques avec possibilité de démonstration, parcours technique avec la SBL Via Perfecta qui a aussi organisé une action pédagogique dans les écoles primaires. L'axe pédagogique est aussi présent avec une exposition de la région Wallonne sur les changements climatiques et sur les possibilités qu'on a, nous citoyens, de réagir par rapport à ces changements climatique, puisque évidemment le salon, en dehors de cette thématique de mobilité, est bien sur une thématique énergie, économie d'énergie, comment pouvons-nous consommer moins, mieux, autrement. Et donc il y aura des indépendants locaux qui viendront avec des panneaux photovoltaïques, avec des panneaux thermiques, avec des pompes à chaleur, avec toutes sortes de façons d'économiser de l'énergie, voilà, des techniques d'isolation, voilà. Et alors, on le voit aussi, la mobilité est transfrontalière, puisque Momigny est une commune proche de la frontière. Le problème concerne également la partie côté France et côté Belgique. Mais on l'a vu, grâce aux différents intervenants présents, des solutions sont en train de se mettre en place, que ce soit au niveau des techs, mais également au niveau de systèmes de recherche pour la mobilité douce sur l'entité Momigny et pour la région également. Oui, c'est vrai qu'on est sur une région frontalière, hein, on l'a souligné. Momigny jouxte trois départements français. Il y a aussi la botte du Hainaut, enfin le bassin de vie dans lequel on est, coupé par un axe vertical qui est la séparation entre les deux provinces, ce qui pose pas mal de problèmes, on l'a souligné, des problèmes de correspondance pour les usagers du TEC qui prennent un bus à Momigny, qui vont vers Couvain et qui voient le bus de Couvain démarrer à la place Froissart. Et donc là, il y a un manque de coordination claire entre les TEC Namur et les TEC Charleroi. On a entendu dire que c'était en voie de résolution, on l'espère, parce que franchement, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Vers la France, on a vu que les transports en commun ne desservent pas l'autre côté de la frontière. Le transport social non plus. Maintenant, ceci dit, voilà, les réseaux de voies lentes commencent à se développer, le Ravel va vers les voies vertes, etc. Et donc, au niveau touristique, en tout cas, il y a des synergies qui se mettent en place entre les maisons du tourisme. Ça, c'est clair. Voilà, c'est pas encore gagné au niveau des transports en commun, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Voilà, une nouvelle génération qui va peut-être mettre ces choses en place au niveau mobilité. Voilà, on l'espère. En tout cas, il faut réfléchir à notre mobilité de demain, et c'était la thématique aujourd'hui. Voilà, est-ce qu'on peut encore se permettre tous de prendre notre petite voiture pour aller chercher les pistolets le dimanche matin, ou est-ce qu'on doit commencer à réfléchir voilà, par rapport au réchauffement climatique, est-ce qu'on peut se permettre de vivre comme ça? Voilà, c'est une réflexion. Quels seront nos véhicules de demain? Demain, c'est aussi l'après-pétrole. Et je pense qu'il est urgent que les pouvoirs politiques réfléchissent déjà à ça et que le citoyen aussi réfléchisse à sa propre consommation. Vous avez toujours cru qu'un spot publicitaire était hors de prix? C'est faux! Grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez maintenant mieux vous faire connaître à petit prix. AV Productions est actuellement le seul à proposer un spot TV spécialement réalisé pour les réseaux sociaux. Pour en savoir plus, visitez sa page et découvrez ses réalisations. Devis et conseils sont bien sûr gratuits. AV Productions, c'est la solution film au prix du papier.